un engagement moral, ce qui permet de mettre en valeur la confiance, d'avoir du lien humain, quelque chose d'une humanité plus heureuse, où on se fait confiance, la liberté. Alors c'est vrai que ce serait une certaine liberté, parce qu'à partir du moment où il y a la liberté, on choisit. Et on le choisit volontairement, ce qui permet justement de mettre en valeur ce pacte et cet engagement moral. C'est vrai, par la voix humaine, VOX, par l'oral, on a cette possibilité de choisir, d'échanger et aussi d'apprécier ces choix d'engagement, de les apprécier au moment présent. Le moment d'appréciation est important puisqu'il permet d'avoir une plus-value. Alors des risques, bien entendu, ça peut être des sanctions, hélas, puisque l'État ou les États peuvent être répréhensifs ou répréhensifs, hélas, ou veut avoir éventuellement un système de dictature imposé, hélas. On peut avoir une idée de ce qui pourrait être bon pour nous, mais ensuite être prisonnier de ce système et éventuellement nous rendre malheureux, hélas. Le biotope, oui, mais en priorité, et j'insiste personnellement là-dessus, l'être humain. Le biotope est important, mais l'être humain est important. On construit, je pense, son biotope, mais avec son système de pensée, l'être humain construit son biotope. Ma maison, ce n'est pas seulement une structure, c'est mon corps, c'est ma tête, c'est mon état d'esprit, ma façon de vivre dans ce qui m'est octroyé. Et ensuite, j'élargis au biotope. Mais ça part de système de pensée, c'est ce que je pense personnellement. Il est vrai qu'on a des systèmes de veille ou d'activité. Alors, en veille, bien sûr, on peut agir. Tandis que dans le système de sommeil et de rêve, on perçoit. Il y a quelque chose qui est parlant, là je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus, c'est important pour l'être humain, ces périodes d'activité, ces périodes de perception et de repos sont importantes. Il est important de pouvoir se régénérer et éventuellement d'être attentif à ce qu'on peut nous transmettre comme message. Ça c'est le côté un peu plus spirituel. Alors à court terme, je pense que ça pourrait être positif ces systèmes de sanctions. À moyen terme, je pense que ce serait négatif, et à long terme, négatif et désastreux, hélas, puisqu'on serait prisonnier d'un système écrit et obligé de se référer à un écrit, hélas. Alors, ça veut dire qu'on ne nous fait pas confiance. Je trouve que c'est dommage. 2-3, quel changement en attends-je dans mon domaine d'activité, dans ma vie? Bon, c'est vrai que la continuité, si c'était possible de pouvoir continuer ainsi, ça me plairait bien. Bien que je sois conscient qu'actuellement le présent est un luxe, et si je devais mourir à présent, dans le monde présent, bon ben, il faudrait que je m'en remette à la destinée, et je pense personnellement que vivre est un luxe, et vivre au présent est une grande joie, et c'est quelque chose d'important et important à prendre conscience peut-être, mais ça c'est ma vision personnelle. La possibilité de transmettre mon message, ça c'est vrai que c'est heureux. Ça me permet par la vidéo éventuellement de transmettre ce message. Et c'est quand même un luxe. Puisque dans le monde entier, il y a des personnes qui sont en prison ou sont emprisonnées ou endoctrinées dans des systèmes et ne peuvent pas sortir et ne peuvent pas s'exprimer, hélas. Et je fais partie de la caste entre guillemets des privilégiés qui me permet de transmettre mon message. Et j'en suis conscient, justement, pour évoluer. Apprécier le présent à chaque seconde. Élargir le potentiel de mes amis. Bon, c'est vrai que c'est immodeste, mais éventuellement, s'il est possible que je puisse faire évoluer ma personne et aider à faire évoluer autrui, je pense que c'est immodeste, hélas, mais je pense que c'est aussi quelque chose de bon et peut-être d'heureux. Une écoute, un bienfait. La simple idée que mes petits-enfants puissent vivre encore un peu et que la terre ne meure pas d'un parasite humain.
Bon, il est vrai qu'on souhaiterait avoir une descendance et que d'autres personnes, nos enfants, nos petits-enfants, puissent profiter de la terre et éventuellement apporter ce regard bon sur ce qu'on nous offre. Il est vrai que la terre, on ne souhaite pas qu'il meure d'un parasite humain, mais un parasite humain, ça m'a l'air un peu péjoratif, hélas. Je pense que chaque personne est importante et peut s'avérer un allié, éventuellement un pollueur, peut éventuellement se transformer en quelqu'un qui devient un ami et qui change sa conception du monde et la transforme plutôt bénéfiquement. Je fais référence peut-être à ces personnes négrières qui étaient des esclavagistes et qui se sont repenties pour devenir éventuellement des alliés, éventuellement entre guillemets, de la cause de la liberté. L'expérience permet de tracer un chemin, une orientation. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas de mode d'emploi et c'est ça qui est intéressant parce que justement ça nous permet de créer et de pouvoir tracer son chemin à sa manière, à sa façon. Et chacun est différent et c'est important. De 4, est-ce que je souhaiterais que la charte de l'environnement consacre des principes généraux applicables à l'action publique et privée sous le contrôle des juges ? Un engagement des pouvoirs publics de vérifier de l'impact de toute action ou projet sur l'environnement avant sa réalisation, la reconnaissance d'un droit de l'homme à vivre dans un environnement de qualité qui ne nuise pas à sa santé, des devoirs pour les acteurs économiques et sociaux, des devoirs pour les citoyens. Bon, je remets ceci dans le chapitre 2.1 pour la réponse. Mais il est vrai que je ne souhaite pas signer et faire un engagement moral fondé sur la confiance. De 5, le Code de l'environnement reconnaît aujourd'hui 4 principes qui inspirent la politique de l'environnement. Bon, 1, le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionné à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Est-ce un principe suffisamment connu? A priori, je dirais que non. Est-ce assez compréhensible? Je demanderai quand même quelques informations concernant certains groupes de mots, MOTS, absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques du moment. Bon, on n'a pas tous accès à ces connaissances scientifiques. Bon, si des dommages graves, irrémédiables peuvent être retardés et évités, il vaut mieux les éviter, c'est sûr. Est-ce appliqué? Je pense que non, hélas. Le principe d'action préventive en 2, selon lequel il convient de prévenir et de corriger par priorité à la source les atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Est-il connu? Je pense pas assez. Compréhensible, il nécessite quand même quelques éclaircissements. Le principe d'action préventive, bon, prévenir et corriger. Bon, ça a l'air un peu logique, si on peut, à un coût économiquement acceptable. Il faut savoir quelles sont nos priorités. Quelles sont vos priorités? Quelles sont mes priorités? En 3, le principe de pollueur-payeur. Le principe de pollueur-payeur, selon lequel les faits résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par les pollueurs. A priori, ça semble logique qu'un pétrolier qui déverse du pétrole dans la mer paye les dégâts et engage éventuellement des démarches pour que la nature retrouve, entre guillemets, sa propreté, bien que les dégâts soient déjà faits, hélas, on ne peut pas revenir en arrière, hélas. Bon, pollueur-payeur, oui. Une personne qui a un chat ou qui a un chien qui fait ses besoins dans la rue, on la taxe, ça paraît très logique.
pourquoi pas avoir un impôt sur les animaux, un impôt sur les chats, un impôt sur les chiens, qui permettrait d'avoir un système de nettoiement et d'hygiène qui permettrait de pallier à ces inconvénients, de pouvoir pallier, oui. Ce principe est-il suffisamment connu? Pas assez à ma connaissance. Compréhensible? Je pense que oui. Si quelqu'un fume et que quelqu'un ne fume pas, celui qui fume, c'est son problème, celui qui ne fume pas aussi, mais il est vrai que celui qui ne fume pas a des conséquences par rapport à celui qui fume. Il va respirer autant de fumée de cigarettes, hélas. Donc ça me semble pas appliqué. Je suppose qu'il y a des notions de respect qui seraient à respecter. Et des notions aussi d'évolution, mais c'est un problème d'éducation, de savoir-vivre, de ce qu'on souhaite faire de sa vie, si on souhaite évoluer, c'est peut-être une bonne chose. Mais c'est ma vision personnelle. 4. Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et selon lequel le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Ce principe est-il suffisamment connu à mon point de vue personnel? Pas assez, hélas. Les substances et activités dangereuses, il est vrai que par rapport aux militaires, entre autres, vous faites allusion aux énergies nucléaires, c'est pas assez connu. Bon, c'est vrai que c'est défense secrète d'État, mais il est vrai qu'on ne nous demande pas notre avis. Je trouve que c'est dommage et ça fait partie d'un système de paranoïa, hélas. Chacun veut se défendre contre quelque chose qui pourrait arriver en engageant des sommes énormes qui pourraient être utilisées différemment, peut-être pour une économie équitable. Ça pourrait être une priorité. Mais c'est mon point de vue personnel. Appliqué? Non, bien entendu que non. 2.6. Est-ce que je souhaite que les principes soient portés au niveau constitutionnel par la Charte de l'environnement? Bon, a priori, ma réponse serait moralement oui. Un engagement moral, oui. Écrit non, hélas. Cela signifierait qu'il s'imposerait à toutes les lois, alors qu'il ne s'impose aujourd'hui qu'à la réglementation de l'environnement. Le Conseil constitutionnel pourrait vérifier la conformité des lois à ces principes. J'ai mis en ce titre un droit de réserve, un important droit de réserve. 2.7. Est-ce que je souhaite que soit inscrit dans la Charte de l'environnement d'autres principes ou problématiques telles que... Alors, bon, j'ai mis aussi un droit de réserve, je vais quand même citer ces principes, mais je garde quand même mon droit de réserve. Le principe de responsabilité en matière de réparation des dommages à l'environnement. Le principe d'intégration de la préoccupation d'environnement dans toutes les politiques publiques. L'accès à la justice et les voies de recours. La fiscalité écologique. La protection de la santé liée à l'environnement. Le rôle de la science dans les décisions en matière d'environnement. Autre, le principe d'un taux maximum de rentabilité d'installation qui deviennent polluantes pour de la surconsommation. Bon, j'ai mis mon droit de réserve. Je pense que j'y ai droit et je le formule, mon droit de réserve. Mais c'est vrai que nous sommes dans une société de consommation. Nous avons souhaité une société de consommation où nous en pâtissons maintenant les conséquences. Peut-être serait-il bon de réagir et de réagir chacun. Voilà. 3. Est-ce que j'ai d'autres propositions relatives à la Charte de l'environnement? Alors, j'ai mis mon droit de réserve concernant cette question. Mais bien sûr, j'ai d'autres propositions, mais je garde quand même un bémol. Toutefois, bon, je peux émettre la proposition suivante, qu'un désarmement planétaire serait non pas pour la sécurité, ce qui me semble un prétexte, qui entraîne une paranoïa, hélas, d'un système un peu pathologique, et je trouve que c'est dommage,
on se méfie de tout le monde et de tous, et il n'y a pas de raison, je trouve que c'est dommage. Il serait plus important de se faire confiance, mais pour dégager une économie équitable. À partir du moment où si on désarmait l'argent investi dans l'armement actuellement, tout cet argent pourrait être réinjecté éventuellement dans une économie équitable, que les pays développés et les pays en voie de développement puissent trouver une économie juste et équitable. Évidemment, c'est un challenge et ça ne plaît pas à tout le monde, je peux le comprendre, mais c'est ma position personnelle et je tiens à l'exprimer doucement et de façon sympathique et joyeuse. Voilà, et aussi la régulation des naissances. Je pense que c'est important aussi la régulation des naissances pour rendre harmonieuses les énergies vibratoires entre les êtres. À partir du moment où on est trop de personnes sur une même surface, il s'ensuit que la promiscuité fait qu'il est difficile à vivre, hélas. Ça pourrait paraître logique, mais je pense qu'une régulation des naissances est quelque chose d'important. Dans nos pays civilisés, on se régule. Dans les pays en voie de développement, on ne se régule pas, ce qui ne me paraît pas logique, mais c'est vrai, c'est une conséquence de l'éducation. À partir du moment où on n'a pas d'argent et qu'on est obligé de voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans son estomac et qu'on ne réfléchit pas, on n'a pas le choix. À partir du moment où on peut avoir le choix, on peut éventuellement envisager l'avenir et dire ce qu'on pourra laisser à nos enfants, mais à combien d'enfants ? Et pour réguler un peu le temps, l'espace, en quantité spatiale, par rapport à des personnes. Pour réguler donc des champs vibratoires entre les êtres et les rendre harmonieux. Dans un biotope toujours d'environnement. L'espace et l'énergie, je pense, c'est une notion importante. À partir du moment où on peut avoir cette distance et être à même de s'intégrer dans un biotope avec la distance, c'est important. Les relations humaines seraient peut-être plus harmonieuses. La communication compréhensible, voilà, il y aurait du temps. Une aération, peut-être un esprit zen. L'art de l'ikebana, entre guillemets, mais c'est symbolique. L'essentiel, l'équilibre, la discrétion permettrait des temps de méditation avec des points guillemets, la méditation, une réflexion plutôt sur les choses de la vie, une sérénité, peut-être apprécier le temps présent, apprécier tout simplement la vie. Voilà, je réponds à cette questionnaire en tant que particulier. Bon, Marco Bruna, vision d'un cinéaste, témoignage et patrimoine. Je n'engage que moi-même, en revendiquant la particularité de mon point de vue, avec toutefois la joie de pouvoir le partager. C'est important, cette joie de partager. Et laisser l'ouverture à l'échange, au lien relationnel, à la rencontre avec autrui. Voilà, nous sommes à Fos-sur-Mer, c'est le 2-3-2003, il a plu un peu, je crois que ça se rétablit un peu doucement, et je tiens particulièrement à remercier Gilles Rigol, élu à l'environnement de Salon de Provence, qui me permet de répondre à ce questionnaire, et je pense que le service environnement pourra s'ouvrir, en plus que Salon de Provence à l'intercommunalité, donc à l'intercommunalité et éventuellement peut-être au-delà. Bon, avec bon espoir et confiance. Merci de votre écoute.